Bonsoir tout le monde, moi c'est Alexandre Diné. Eh bien, jodi a la, moi entre la caillou ak yon l'autre vidéo. Rapide, rapide, nan vidéo sa, moi pral montre yo ki kote pou fè demande visa pou al visite pays Ukraine et comment pou fè demande visa sa pou al visite Ukraine. Mes amis, nous connaissons. Si vous voyagez avec un passeport haïtien en main, nous avons besoin d'un visa pour nous visiter l'Ukraine. Ça, pas de menti là-dedans. Eh bien, visa ça, c'est un visa électronique ou qu'a fait demande li sans pas déplacer. De pour gagner un ordinateur ou bien gagner un téléphone intelligent en main ou gagner internet, qu'importe côté ya. Ou qu'a fait demande visa ça pour aller visiter pays Ukraine sans problème. Eh bien, devoir pam c'est aider ou. Je dis à la, moi pral montrer qui côté pour faire demande visa ça et comment pour faire ça. Ok, pour faire demande visa pour aller visiter Ukraine ou après aller sous mfa.gov. .ua. Oh, mais il paraît là. Nous entrer sous li là. Ça, on va regarder là, c'est site officiel pour faire demande visa pour aller visiter Ukraine. C'est site officiel. Changez l'autre site. Eh ben, fais attention pas entrer sous site qui pas officiel. Eh ben ça c'est les mêmes qui officiel là pour faire demande visa pour aller visiter pays Ukraine. Là ou ka wè li non langue moins pas comprendre peut-être ou même tout cap regarder vidéo ça peut-être ou pas comprendre langue ça tout eh ben ça n'a fait n'a pas aller à droite en l'air là à droite meni côté qui dit anglais eh ben n'a cliquer sur anglais rapidement là li en anglais eh ben c'est sûr qu'on y a là moins qu'à comprendre ou qu'à comprendre et moi mettez l'en anglais. OK. Ça, c'est site là, regardez là. Si vous avez une plume, marquez site là, marquez l'en côté ou bien marquez l'en téléphone ou, c'est mfa.gov.ua. Ça, c'est site officiel pour faire demande visa pour aller visiter Ukraine. Visa, ça, c'est un visa électronique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de déplacer pour faire demande. C'est télécharger visa ou, et puis imprimer. S'entendez à là, ou prend avion, ou débarquer dans les portes et Ukraine, ou visiter pays. Eh bien, pour faire demande ça, quand vous pralez, ou pralez là, ou cliquez sur ça là ou là. Et puis, après, ou cliquez là. N'a pas suivi avec vous? Vous comprenez? On va aller rapide pour nous faire. Malgré li en anglais, mais, ou même si c'est français ou pi comprendre, ou bien espagnol, ma konne, langue ou pi à l'aise avec là, ou ka toujours traduit, ou ka toujours traduit, pas de problème, ou ka toujours traduit. Ok? Ou a clique là, et puis la menon là. Ok? Mais là, ça a besoin, c'est e-visa. C'est visa électronique. C'est ça nous besoin là. Par exemple là, il dit information pour visa. Si nous besoin d'information, nous pouvons cliquer là pour chercher information sur visa. Mais là, c'est là nous va aller, c'est visa électronique. Mais à qui on visa électronique ou qu'à visiter Ukraine. Eh bien, c'est là nous besoin nous à cliquer sur e visa. Eh bien, alors c'est en anglais lié. Et n'a cliqué sur lui pour aller joindre visa électronique là. Ben nous cliquer sur lui. OK, lui mène nous là, ben. Visa électronique. OK, là il dit how to apply. Il dit comment pour appliquer. Comment pour appliquer. Alors page là en anglais, j'aime dire nous ou même à langue ou sans pays à l'aise là ou traduire, pas de problème. Et moi-même qui t'ai en anglais, d'ailleurs, je comprends et ça y a dit, je ne traduis pas. Ok. Comment pour appliquer?
Premier bagay, men li ba ou tout étape yo. Premier étape, deuxième étape, troisième étape. Premier étape, qui ça pour faire? Eh bien, wap aller là, wap cliquer là pour créer un compte. Wap créer un compte. Meni, wap cliquer là, la pal voyo non l'autre plateforme, wap cliquer là, wap créer un compte. Deuxième étape, wap rempli form nan en ligne. En ligne wap rempli form nan. Ça c'est deuxième bagay wap fait. Troisième bagay là, troisième étape là, eh bien document yo wap c'est tout bagay c'est en ligne. C'est pas ou pas gen ou pas voyan rien physique. Wap fait photo. Par exemple, wap besoin photo. Wap besoin wap fait photo passeport, alors page passeport côté gen information, côté gen nom, côté gen tout bagay yo, wap fait photo a. Ça c'est document wap besoin et meni wap besoin tout yon assurance. Yon assurance qui couvre pour plus petit 30 000 euros. Alors assurance la pas coûte 30 000 euros et c'est couvrir la couvrir 30 000 euros pour plus petit. Ça veut dire assurance c'est pas bagay qui cher, c'est pas ou acheter dans 25 $ américains, dans $30 américains et bon, li ou ka jwenn plus cher toujours, ça va dépendre ou même qui soit besoin, mais c'est pas bagay qui cher. Et ou a besoin yon assurance voyage, meni, qui couvre pour plus petit 30 000 euros. Et puis ou a besoin preuve, papier qui montre que ou genyen kob qui suffit pour faire voyage là. Eh bien, qui preuve ça va lier là? Eh bien, son papier qui montre que ou gen kob et suffisamment de kob qui permet ou faire voyage là. Donc, on papier comme ça, et l'itaka, yon papier et côté ou ba yon relevé bancaire et li ka yon on comme te ka di ça yon lettre ou prend en banque et côté ou gen compte ou pour yon wè que ou gen kob sou compte ou et que ou ka fè voyage là donc et ou a lettre ça ou a fè photo ou bien relevé bancaire ça ou a fè photo tout bagay yo photo ou a fè et puis ou a voye aller nan plateforme ça même nan. Et on prend pas gagné ou voyer physique tout bagay c'est en ligne koto chita koto y a ou fait tout bagay et on prend ou a besoin un document qui est qui dit et alors qui est vérifié et bu voyage ou par exemple on dit si ou pas visiter c'est sûr que ou a besoin yon et réservation hôtel si c'est non hôtel ou a descend. Très facile pour faire une réservation hôtel. Et si vous n'avez pas pour faire une réservation hôtel, vous pouvez toujours checker. Moi, je vais vous donner ça. Vous faites une réservation hôtel. Et puis, vous faites photo et réservation. Et puis, quatrième étape, vous payez frais visa. Eh bien, mais combien la couteau? Alors, vous avez une entrée. Mais vous avez une entrée. Il coûte $20. Et puis, entrée double, il coûte $30. Donc, ça va dépendre de vous-même qui sortez, si c'est une seule entrée ou bien une entrée double. Ok. Bon, il y a un cas d'urgence. Et si par exemple, vous avez un visa plus rapide, vous allez payer double frais. Par exemple, visa coûte double. Donc si vous avez un visa qui coûte $20, la pouvine coûte $40. Par exemple, si vous avez besoin de visa urgent, sous et au moins de visa urgent. Donc, ça c'est ça. Ok. Et par exemple, information, meni là, ou ka écrit email ça. Par exemple, si vous avez une question, sous visa ou, et sous besoin d'aide, ou ka écrit poser question là. Mais là, ou ka écrit. Ok. Donc, ça c'est site officiel pour faire demande visa électronique pour aller visiter l'Ukraine. Donc j'aime dire document yo c'est bagay qui très facile par exemple le document et ou pas voyant rien et physique c'est photo à faire. Donc ou a besoin yon photo, je me répéter ça déjà, ou a besoin photo, ou a fait photo passeport par exemple ou a kembe passeport nan men on, et puis et à téléphone ou faire photo et côté page passeport pour on prend côté gain information nom tout bagaille numéro passeport ou faire photo ou a besoin j'aime dire assurance voyage
qui couvre pour pipiti 30 000 euros, mais ni là, yo dit. Et puis, ou a besoin yon bagay qui ont papier prouvé que ou gen et kob qui ka mais non fait voyage ça. Meni. Donc son papier et ou prend nan bankou qui prouvé que ou gen l'argent pour visiter pays ya. Et puis et ou a besoin encore et yon réservation hôtel et si c'est nan hôtel ou a descend ben et sou gen yon moun qui sont moun pays ya li ka toujours et voyons lettre pour qui dit ou descend la kayli et mais sou pa gen option ça c'est sûr on réservation hôtel ou descend dans hôtel donc ou bay réservation hôtel là ou bay et on confirmation et alors bay voucher et ou y a pour que c'est dans hôtel ou descend et puis soit attendez là ou payer frais visa tout bagage c'est en ligne ou pas déplacer avec yon carte ou payer frais visa et puis meni et nan ka urgent y a et baoul nan yon jour et puis nan ka ki pa urgent y a baoul sou 3 jours meni 3 jours habile. Eh ben c'est simple là. Ah là m'ta oublié m'a montré non ça là li baou tout pays qui qualifié, tout pays qui éligible pour et visa électronique. Là, c'est pas tout pays qui commande un visa électronique pour visiter Ukraine. Donc, yo mette liste pays qui qualifié, qui commande un visa électronique pour visiter Ukraine. Ça veut dire, est-ce que Haïti là dans liste pays ça? Oui, Haïti là. Meni, Haïti, meni là. Meni, par contre sou elle là, meni. Meni. Haïti li éligible pour demander yon visa électronique. Ça veut dire si vous voyagez avec yon passeport haïtien en mon pour aller visiter Ukraine ou commander yon visa électronique. Meni, Haïti nan liste ça là. Ça veut dire et si yon pays pas là, et ben moun sa qui gon passeport pays qui pas un pays qui pas là, pas commander yon visa électronique pour aller visiter Ukraine. Donc et Haïti li fait partie, li là nan liste là meni. Mais Haïti, meni. Ça c'est Haïti. Donc ou même quand voyage avec un passeport haïtien pour aller visiter Ukraine ou commander un visa électronique. Son pas déplacer koto chita, qu'importe pays où il est, ou entrer sur ordinateur de pou gen internet ou faire demande de visa ou, sans problème pour aller visiter Ukraine. Meni. Donc et moi penser moi dit tout bagay là et si gen bagay moi pas dit peut-être qu'il y a quelque bagay oublié ou bien quelque bagay qui échappé donc ou même sous gen question ka toujours poser question et moi même toujours dit youn objectif moi c'est pour partager toute information que me gagne youn objectif moi c'est pas kembe information yo pour comme depuis mon bagay m'a partager l'ensemble avec nous donc ou même qui t'a remé visiter Ukraine, eh là, qu'on y a là, ou qu'on est, à qui un passeport haïtien, ou qu'a visité Ukraine avec un visa électronique. Et qu'on y a là, ou qu'on est, qui côté pour aller faire demande visa électronique là. Donc, et sous internet là, charger site. Donc, ou même ou qu'on est, site qui officiel là, meni, mba ou là, meni. Meni. mfa.gov.ua c'est là pour faire demande visa et mettre tout document au besoin donc pas en pile meni mais tout bagage au besoin pour faire demande visa sans problème et li tout jour et li tout ba ou étape yo meni donc et moi c'est Alexandre Diné et m'espérer vidéo a t'aide quand même et si vous avez l'autre question qu'a toujours poser parce que peut-être qu'il y a quelques bagages moins oubliés et poser question sur une question même là pour me partager tout ça me gagne ensemble avec nous depuis une information m'pap kembe pour comme m'a partager là avec nous et avant m'aller m'a demandé nous mes amis pour nous quitter un like pour moi et puis abonner à la chaîne pour nous encourager pas oublier abonner à la chaîne ça très important. Les abonnés, ça encourage, ben ça dit que nous
content nous a pillé ça m'a fait pas oublier abonner et si vous voulez encourager ben ça c'est celle qui ça mando si vous voulez encourager dans vidéo yo si vous voulez pousser pour toujours porter vidéo pour vous et ben abonnez à la chaîne et mes amis moi même m'a parlé et moi t'es content pour cette vidéo ça pour nous et ben et n'a trouvé demain si Dieu veut pour une autre vidéo côté m'a porté une autre information pour nous bye bye moi c'est Alexandre Dinet.